Mais c'est quoi le problème, là, les filles? Ça fait 2 ans qu'il se passe plus rien. On a un spectacle ce soir? Dans 2 minutes! Je savais pas, moi. Ok, c'est bon. C'est en ligne, cette affaire-là. C'est correct, je vais juste mettre une chemise, pas besoin du reste. C'est quoi que t'as pas compris, Léo? C'est un spectacle qui va être filmé et diffusé en virtuel. On va voir tout ton corps. Comme au complet, là. Dans tout au complet, ouais. Oups! Je me dépêche, là! C'est bon, là! Je fais ce que je peux! T'as oublié ton veston? Oh, pis t'as oublié ta cravate en plus! Stand by! Le spectacle commence dans 3, 2, 1! Mesdames et messieurs, bonsoir! Et bienvenue à la finale locale de secondaire en spectacle de l'école Joseph Hermas Leclerc! Je m'appelle Lilia. Je m'appelle Léon. Et moi, je m'appelle Léo. Et nous serons vos animateurs pour le spectacle de ce soir. Notre rôle sera de vous divertir lors des transitions techniques des numéros. Transitions qui seront effectuées par les jeunes animateurs qui s'assureront du bon déroulement du spectacle. Les jeunes animateurs de ce soir sont Charles-Antoine Brisson, Catherine Bouffard, ainsi que Marie-Lou Bilodeau. Cette année, ce sont 20 de l'école qui auront l'opportunité de s'épanouir sur scène, de faire des apprentissages significatifs et d'expérimenter le monde du spectacle. Ce soir, 2 numéros, toutes catégories confondues, seront choisis par les membres du jury pour représenter JHL lors de la finale régionale qui aura lieu le 25 mars à Appenbell. Tout d'abord, soulignons la présence de nos 3 membres du jury. Tout d'abord, M. Christian Morissette, auteur, compositeur, interprète, artiste à l'école de lauréat du Festival international de la chanson d'Irvine. Ensuite, nous avons Mme Jade Archambault, comédienne et enseignante de théâtre et ancienne élève de GH Leclerc qui a fait des tours de vin et de ça pas si longtemps. Et pour finir, la présence de Mme Laurence Raymond Baudouin, prof de tendance et à la tête de leur étude de l'école de secondaire Marseille. Après avoir franchi l'étape des finales locales, les gagnants des finales régionales se tailleront une place pour le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tiendra cette année à Laval du 26 au 29 mai 2022. Il s'agit du plus grand rassemblement d'artistes amateurs au Québec. Nous tenons également à souligner le travail effectué par Finnegan Corriveau, qui a, avec l'aide des responsables du programme, M. Hubert Bélanger ainsi que Jason Bordois, planifié et réalisé le spectacle que vous vous apprêtez à voir. Nous vous remercions sincèrement à la maison de prendre votre temps pour faire preuve d'ouverture et d'écoute, de faire preuve également de prendre votre temps pour encourager nos jeunes. Et merci également aux jeunes artistes qui nous partagent leur passion et qui nous permettent d'avoir le beau spectacle que nous aurons ce soir. On vous souhaite un très sincère et excellent bon spectacle. Donc, j'ai une petite question pour vous. Qui n'aurait pas déjà rêvé d'être dans un groupe d'amis? On se rappelle, pour ceux qui sont plus âgés, qu'au secondaire, nous faisions tous partie d'un groupe, que ce soit théâtre, musique ou bien improvisation, on en faisait tous partie. Les prochains participants, eux, ce sont mes amis. Attends, mais ils ne m'ont pas invité dans leur belle? Oups, écoute, je suis payée pour les présenter. Hein? Écoute, je vais faire avec. Donc, les prochains artistes, ce sont des amis à moi qui ont un groupe magnifique, qui ont créé une chanson. En fait, c'est le drummer qui a créé la chanson. Donc, veuillez accueillir chaleureusement Maël Chapleau, drummer. Thank you.
plus fort. Parce que tu vas t'éloigner, puis je vais avoir plein de remords. Même si t'es mon étoile, mon ange, celle qui me donne la joie. Moi, je suis juste un gars par rapport qui sert à rien pour toi. Fait que je continue d'avoir des rêves qui sont terriblement débiles. Puis faut que je m'éloigne de toi avant d'être trop fébrile, j'ai peur.
l'univers. C'est quoi cette question-là? Je sais pas, du poulet, de la dinde, comme tout le monde. Non, je pense que tu n'as pas compris, toi non plus. C'est une expression. Ce que ça mange en hiver, ça veut dire qu'est-ce que c'est, qui c'est, qu'est-ce que c'est. Ah, ben. Des avions, j'imagine. Des avions? C'est pas des gens qui dansaient sur des bateaux comme à Punta Cana ou à Haïti ou. Je sais pas, non? Danser sur des bateaux, t'es sérieuse. Ben, c'est une vraie question, je sais pas. Non, de toute façon, Luca et Antonio, ils dansent pas, lui. Attends une minute. On va reclarifier quelque chose. T'es en train de me dire que sur le prochain participant vient nous chanter « Alors on danse » de Stromae, mais il n'a pas dansé. Ben, justement, il va danser, il va chanter, je veux dire, il va pas danser. Oh, OK, là ça s'explique. Fallait expliquer plus tôt, hein? Ben oui, mais c'est toi ici qui est pas vite. Désolé. Alors on danse. Alors on danse. Alors on dit tu travailles, tu tapes tes études, qui dit argent, tu dépenses, qui dit crédit, créance, qui dit dette, dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, tu dégosses, dit toujours et tu divorces. Qui dit créer, qui dit créer le monde, famille, qui dit tiers monde. Et puis seulement, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. 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 Et c'est là que tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin, tu t'en sors. Un a plus, rien encore. Est-ce la vie pour des problèmes via la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges tes oreilles, respire encore plus fort. C'est merci, alors change. La 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 la. La 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 la. Alors change. La 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 la. La 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 la. Alors change. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. 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 Eh bien, y en a encore. Eh bien, y en a encore. Eh bien, y en a encore. Eh bien, y'en a encore. Eh bien, y'en a encore. Parce que
un chemin. Ok. Ben, si tu le dis, hein? C'est... Il fallait y penser, hein? Fallait y penser. Me semble que c'était évident. C'est écrit en gros, là. Hein? C'est parce qu'il fait noir. Tu peux pas lire. Ben, fallait savoir exactement d'un spectacle. Pourquoi tu aurais trouvé le chemin? Ouais, j'aime. Mais est-ce que... Attends une minute. Mm-hmm. Tu veux dire que la prochaine participante, qui est Alexis Brochu, c'est sur cette chanson-là qu'elle va danser? Ouais. Oh, je pense qu'elle est vraiment perdue. Ouais. Thank you.
Tout d'abord, félicitations à Élodie. Ensuite, il nous manque un participant. C'est un peu gênant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Annabelle Perron? Non, elle n'est pas là. Non, non, non. Mais c'est correct, j'ai trouvé quelqu'un. C'est... ça va... j'imagine qu'elle va faire l'affaire, là. Il paraît qu'elle est super douée. T'as trouvé quelqu'un, mais comme la seule personne qui reste à l'école, c'est le concierge, là, il va nous faire quoi? Du ballet? Ben, je pense pas que mon père, il va monter sur scène. Ben non. Mais... mais c'est correct, j'ai trouvé quelqu'un qui fait du drag queen, pis... tu sais, ça va rajouter de la couleur au spectacle. Ça, c'est tout en bien la couleur, on est ça. Elle s'appelle Katrina, avec un K et un T majuscule. Elle est en secondaire 3, puis elle va nous faire ma philosophie de Amel Bent. Bon, ben, veuillez l'accueillir avec une bonne main d'applaudissement. C'est déjà mieux, non? Donc, pour vous ce soir, je vais vous parler de trois choses qui me sont arrivées dernièrement. Car je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je vais vous parler. Tout d'abord, voici mes nouvelles lunettes. Magnifiques, n'est-ce pas? Eh bien oui, j'ai eu des problèmes pour les avoir. Je vous explique. En gros, vous savez... merci, bonsoir. Ça arrive de ma gueule, oui? Voilà, c'est le merci. So, vous savez, avec les masques, puisqu'on a des lunettes, c'est pas toujours facile. Non. Vous êtes... La rata. Sexy bonjour! Donc, comme je disais, avec les lunettes et le masque, ça fait un peu dans les lunettes. Donc, je me suis dit... que faire de ce problème? Alors, on supprime les problèmes dans la vie. Je vous montre comment j'ai fait. Je repose cette chose-là. Et j'ai pris les lunettes comme cela. Et j'ai fait... 1, 2... Bon, excusez-moi, là, c'est... Il ne veut pas briser ces foutues lunettes, hein. Mais qu'est-ce que c'est, merde? C'est d'autres foutues de leur amour. Donc voici mes nouvelles lunettes. Vraiment. C'est un monocle. Vous aimez mon monocle? Oui, c'est ça. Formidable, dites-moi. Mais vraiment, j'en sors de ma gueule. Ça. Mais là, le problème, là. Moi, dans mes lunettes, je vois rien. Ça veut dire absolument nada. Fait qu'il faut une vraie lunette. Mais j'ai une bébé. Puis j'ai encore la garantie, mais faut qu'il y ait une raison. Puis je pense pas que si je dis, ben, parce que la vie a été mal attachée après la lunette, fait que je vais pas exploser! Ça va marcher. Donc, je sais pas quoi faire, fait que j'appelle la madame. Là, elle veut que j'explique comment c'est arrivé. Comment expliquer? Ça, ces choses, c'est des gueulasses. Une vieille madame de 45 ans peut-être, avec cheveux blancs, là, c'est comme si tu étais en mode intéressant. Genre, les secrétaires d'école, j'irai voir le secrétaire, mais alors, merci,
à la fin, ça m'emmerde. Réponds au secrétaire, je précise, hein. Tu travailles respectable ou elles sont moins respectées. Oupsie! Encore. Fait que, tu sais, je dis que, ben, c'est le vent qui nous a pété. Tu sais, je marche dehors, comme ça, tu vois, dans la vie tous les jours, avec magnifique chose à faire. Puis là, j'ai un vent qui t'arrive, puis là, tu sais, il y a le vent qui arrive, tu sais, que là, bon, tu sais, je marche même. Puis là, il y a du vent. Fait que, je montre ce que je lui ai dit, ce qui est arrivé, tu vois. Elle m'a pas cru quand je lui ai dit, mais je vais vous le montrer au cas où vous me croyez, OK? Donc, comment je prends le micro pour s'en foutre, oui? Non, je marchais, puis là, je lui ai dit qu'il y a eu du vent, tu sais, puis qu'il y avait peut-être 8 km/h de vent, tu sais. Moi, 8 km/h de vent, je sors pas de chez nous, là, tu sais. Pas en visée, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je marche, puis là, wow! Là, j'ai dit que là, mes lunettes ont volé les airs, puis ils sont pétés! Fait que là, ben, c'est pas lunette. Ben, non. Mais ça va pour ce premier problème-là dans la vie. Fait que je vous dis mon deuxième problème que j'ai eu. Ah, j'ai oublié le deuxième problème. Je suis un peu désolée parfois, mais bon, c'est le même. Fait que, dernier problème, parce que, ben, dernier problème, je vais vous dire, c'est pendant mon dernier spectacle. Ouais, dans le film Drag Queen, les cheveux, c'est vraiment comme. The best rule of the queen. T'sais, fait que là, je pense que si ma mère m'aurait vu, elle m'aurait dit, oh, get out of the stage! Mais j'aurais dit, mais j'aurais sûrement répondu, OK! Mais bon, fait que là, qu'est-ce que je disais? Alzheimer, en fait. Je suis rendue vieille! J'ai 16 ans! Bref, fait que là, j'ai fait mon dernier show que j'ai fait. Humiliation! Je répète. Humiliation! Il demande au secrétariat merci! Eh ben non. Il n'est pas là, il est absent. Oh, quel dommage! La mère a rappelé à l'aide. J'ai dit, hein. Fait que là, j'ai jeté une nuit, là, pas c'est normal. Adios, et là, j'arrive, et là, je fais mon spectacle et tout. Chevelle le vent, qu'on est dans de voiture. Démodé. Et puis. Oh! La perruque cravale! Oh mon Dieu, que faire? Alors je dis. Je suis chauve! Je suis chauve! Que veux-je vous dire? Mais bon, c'est pas de ma faute, hein, mais là, évidemment, ils sont peut-être aveugles, et les madames, ils juraient d'où j'étais, mais. Oui, aussi, ça descend ça. Mais elles ne sont pas connes non plus. Elles voient bien que j'ai cette capote crânienne sur la tête. Alors, ben, je l'enlève. Et je fais évidemment comme toute personne respectable et non respectée à ce moment-là. Comme a girl. Alors, ce soir, c'est malheureusement tout ce que je veux dire. Car j'ai hélas un choix à Los Angeles, New York. Have a girl. Wow, on a bien ri, hein? J'ai une autre question, Tiffany. Encore? Ça te répète. Je me demandais, Léon, tu trouves pas qu'il fait comme vraiment plus montrer tantôt? Est-ce que tu penses que aussi tu fais de l'Alzheimer parce que tu te répètes? Oh, ben, je trouve qu'il fait vraiment plus noir que tantôt. Ben, moi, je dirais que ça fait de l'ambiance. Puis l'ambiance, tout le monde en a besoin. Si tu le dis, ouais. Ben, ça fait. Ça marche bien avec le spectacle. Je dirais, c'est. Tu sais, ça marche avec la prochaine chanson aussi. Sa prochaine chanson s'appelle Abyss. Abyss, il fait sombre. Puis quand il fait sombre, ben, c'est des abysses. Ouais, j'approuve tout ça. Puis après ça, c'est Je t'aime quand même. Qui, ensemble, tu sais, on est amis, on s'aime quand même. Fait que tous les concepts ici. Tous les concepts, on aime ça comme ça. Fait que voici notre chanteuse Goo, elle s'appelle Plourde en le secondaire 3.
du soleil des mardis, direction la lune dans mon tipi. Et les abysses me retiennent, et les abysses c'est toi. Mon cœur palpite quand je promène devant ces noirs le soir. J'ai besoin de vous, mais valide dans l'instant, je te prie. Je ne peux être une virtuose, miroir absolue de mon pétrole. Une dislocation, le hublot de l'avion. On augmente le son, je le voyais se toucher sans feu. Mais ça prescrit, tu sais, y'a des statistiques qui servent. Que l'un monte croisant, un ange qui est comme un cas de vie. Le reflet de l'ombre, mon cœur vide se voit. J'ai perdu le contrôle, tu prenais le cap. La race humaine me dégoûte, des fois j'aimerais partir d'ici. Me fond sous ce soleil des mardis, tirer sur la lune dans mon tipi. Mais les abysses me retiennent, et les abysses c'est toi. Mon cœur palpite quand je promène, et puis c'est moi le soir. J'ai besoin de donner une vallée dans l'instant, je te prie. Je ne peux être un virtuose, mais moi, les chelous de mon ville est une dislocation. Le hublot, l'avion, le monde de son. Je le vois et je touche sa tête. Les sacristies, tu sais, les statistiques qui servent. Que l'amour du croisant le pousse, qui est comme un cas de vie. Le reflet de l'aimant, mon cœur vite se voit. J'ai perdu le contrôle, tu prenais le calme. Où voilà ma place. Je vais face au vent, mon courant, puis la tornade. Tout le monde hésite, mais personne là. Il est jeune et fou, les larmes un peu comme la rue. Toi, tu sais pas les dégâts qui ont fait. Un rire que je m'en maquille en compte de fait. Toi, tu sais pas les dégâts qui ont fait. Un rire que je m'en maquille. Son corps m'entraîne.
se faire entendre. Pour toutes les personnes qui ont des questionnements, des inquiétudes, des jugements, de l'incompréhension, des stéréotypes, il est là pour répondre à toutes ces questions et à la fois en rajouter. Il est le président du club LGBTQ+ de l'école. Il se prénomme Noah Jeanette Jones et il a, comme elle a dit, un message très important. Donc si ça vous choque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas juste à vous en aller vraiment ou juste écouter ce qu'elle a dit et essayer de comprendre. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Avec son poème écrit par lui-même. Que j'ai écrit, qui s'appelle... qui s'appelle « Un être humain d'aujourd'hui ». J'aimerais ça commencer par dire que les probabilités que les gens LGBT aient la dépression est 3 fois plus haute que le reste de la population et que 75% des jeunes LGBTQ+, ont déjà été victimes d'intimidation par rapport à leur sexualité ou leur identité de genre. Si t'as les bonnes priorités, je vais peut-être te faire pleurer. Tu vas peut-être avoir pitié. Mais ce poème-là, il est pour ceux qui ne comprennent pas. Va pas trop haut, tu pourrais tomber. Je sais que c'est dur, mais tu peux pas abandonner. Un jour, tu trouveras ta place. Pour l'instant, faut endurer. Faut endurer l'humiliation, mauvaise réputation, dépression, nutrition troublée, anxiété, jeté, rejeté, pression, mon imperfection, Faut pas en parler. Nos pensées troublées. Faut rester caché, ils pourraient te trouver. Ils t'appellent homo, lesbo. T'essaies de te défendre, ils rient, ils disent, hein, c'est pas faux. Les arrêter, ça vaut même pas la peine. Parce que celui qui gagne, c'est toujours la reine. Ils disent que c'est correct, ils font juste jouer. Les autres, ils regardent en riant, toi t'es à côté en pleurant. Tu mérites pas ce qui t'est arrivé. Parce qu'à 14 ans, t'es juste un enfant. Tu sais, l'autre jour, j'ai fait un party. Manquait Justine, ça je le savais. Où était-moi, j'en sais rien. Ma théorie, c'est qu'elle se blessait. L'affaire, c'est que personne n'écoute Justine. Elle sent muette puis un peu sourde. Quand tu l'ignores, elle sent lourde. Son cœur, c'est comme la plastine, il est mou puis t'hésites pas à démonter. Puis elle se plaint, tu commences à chialer. Sa famille l'a jamais accepté, ils aiment même pas, ils vont pas changer. Elle s'est déjà confrontée, faut l'avaler, ça a pas marché. Ils disent que t'es tellement une belle petite fille, puis si ça continue comme ça, tu seras rien plus qu'une honte pour ta famille. Elle dit dans mon cœur, pour moi, tu seras toujours ma belle-maman. Puis si tu m'écoutes pas, reviens pas dans cette maison-là. Un jour, tu trouveras un bon mari. Tu vas l'aimer, tu le quitteras pas. T'auras une fille, tout comme moi. Puis enfin, tu comprendras. Maman, fais-moi pas répéter. Je te promets que c'est pas un choix. Si je pouvais, je le changerais. Écoute-moi. On me l'a toujours dit. J'irai jamais au paradis. Puis si ça me garde loin de ta colère, sérieux, je préfère l'enfer. Tu dis que c'est juste ta religion, mais secrètement, c'est ton homophobie. C'est quoi, t'as peur de la contagion, pour vrai? Trouve-toi un hobby. T'as jamais hésité à rire de moi. Mais après, je te l'ai annoncé, t'as changé. Tu m'as moqué, ridiculisé. Tu m'as trahi, tu m'as haï. Juste pour quelque chose que je pouvais pas contrôler. Fait que crois-moi, quand je te dis qu'après ça, tu m'oublieras pas. J'ai pas peur de dire ce que je pense. T'inquiète pas, j'ai de la confiance. Je vis comme si je marchais mes dernières enjambées, puis j'ai jamais hésité. Fait que rappelle-toi bien de ce que je te dis. Que tu sois gay ou que tu sois bi, que tu sois lesbienne ou omni, je te traiterai toujours comme ce que t'es. Un être humain d'aujourd'hui. Wow, c'était très beau. Donc, les prochaines participantes sont 4. Mais on est d'accord pour dire que toutes les bonnes choses arrivent en trio. Trio Big Mac, steak plaining patate, frites sauce fromage. Mais le quatrième bout, c'est tout le temps ce qui est le meilleur. Tu sais,
trio Big Mac avec une petite crème glacée. Ah, c'est tout de suite beaucoup mieux. Du pâté chinois avec du ketchup. Hey, c'est délicieux. La poutine avec la mayonnaise moins que non, ça c'était pas mon meilleur exemple. En tout cas, eux, ils sont quatre. Ça va être le petit bonus qui va rajouter un piment à la soirée. C'est le groupe des 4A. Donc Alexis Brochu, Alexis Brisebois, Alexandre Deslandes et Aurélie Pontbriand qui vont vous danser sur We Don't Have to Take Our Clothes Off. Accueillez-la chaleureusement, Louche Cossette, Laurie Cossette. Chers parents, je thank you.
depuis qu'elles ont 6 ans. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'avais 6 ans, je jouais encore au Barbie et je m'amusais à trouver des cailloux un peu partout là, dans la cour chez moi. Je vais juste vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemblait quand que moi je dansais quand j'avais 6 ans. Okay, vous êtes prêts? Attention les yeux. Wow! Tu m'impressionnes, mais je pense que tu fais peur au public, là. Au public? Oui, aux gens qui sont là, puis surtout ceux qui sont à la maison, là. Là, je pensais pas où. Moi, je leur faisais une prestation. Je peux pas croire que t'as fait ça dans tout le monde comme ça, là. Bon, OK, on va se le dire, moi, j'ai pas de temps. Les prochaines participantes, eux, elles en ont. Donc, veuillez accueillir chaleureusement Méliane Gaucher et Noémie Giroux, secondaire 3, qui vont danser sur un remix de chansons. Veuillez les accueillir chaleureusement. Un jour, c'est un beurre, on rafale. 100 fois, j'ai voulu
Merci, merci. Donc, on a le regroupement des unités régionales et de loisirs et du sport du Québec, ainsi que le gouvernement du Québec, la Fédération des établissements scolaires privés, ainsi que la Fédération des commissions scolaires du Québec, et pour finir, le camp chanson québécois de Petite-Vallée. Ainsi que nos partenaires locaux, chaud de vent pour la technique et la table à mots pour les repas des juges. De plus, on ne peut passer sous silence le travail exceptionnel effectué par M. Hubert Bélanger, qui est le responsable de secondaire en spectacle à notre école, et à Mme Laurie Chandon, notre coordonnatrice régionale. Un grand merci aux techniciens dirigés par M. Jason Bordois, à la direction de JHL, aux jeunes artistes, aux jeunes animateurs, aux jeunes techniciens et aux jeunes organisateurs. On vous garde encore quelques instants, le temps que nos jurys prennent du temps pour éclaircir leurs idées et nous annoncer les deux grands gagnants de ce soir. Restez avec nous. Je suis d'accord, moi aussi, bon spectacle, la gang. Je tiens également à remercier, comme on l'a fait plus tôt, tous ceux et celles qui nous ont fourni et donné la chance à ce beau spectacle ce soir, qui ont pris la peine de planifier ça pour nous. C'est des souvenirs qui vont rester longtemps gravés dans nos mémoires, pas vrai? Oui! Donc, on va accueillir chaleureusement nos trois juges qui vont nous chaleureusement annoncer qui seront nos deux gagnants de ce soir. Notre première
liste en première position, nous avons pour son audace, pour sa prestation dans son ensemble et pour sa vérité qui est venue nous chercher, nous toucher droit au cœur, j'ai nommé Noah Jeanette Jones. Merci à tous et bonne soirée.